Il y a quelques semaines, après quelques discussions, j'ai reçu ce SMS. Salut Léa, bienvenue dans la team forestier. Et c'est ainsi que l'aventure Les Poneys de l'Elou X Forestier a commencé. La première étape de tout ça, direction Pau pour le 5 étoiles de Pau, où Forestier allait faire une grande annonce. Donc du coup, je m'y suis rendue en compagnie de la Suitem Project qui a également intégré la team. Et voilà, l'aventure Forestier commence maintenant. Yo, ici le début du vlog qui commence de manière très bizarre. Donc on est mercredi soir. Je suis en compagnie de la Marève juste ici. Et Dieu merci, nous sommes ensemble. On vient de recevoir un SMS pour nous dire que notre train pour aller à Pau vendredi était supprimé à cause de la grève. Donc là, ça part en bataille Tu pour sais trouver qu'on un va prendre le Blablacar, un bus avion, n'importe quel train à pied. On va y aller à pied pour pouvoir aller à Pau parce que c'est hors de question qu'on rate ce week-end qui est prévu Oh, depuis ça très longtemps. Et m'énerve. qui se promet d'être ouf. Donc écoutez, je vous tiens au courant de l'avancée de la situation. Si ce Il y a vlog un seul se vol à publie, c'est qu'il se 21h. passe quelque chose. Si ce vlog ne se publie 21h. pas, c'est Ah, qu'il est. c'est trop tard. On n'y Bah sera ouais, jamais. on arrive à Voilà! 21h55 à Ça Pau. commence bien. Ce vlog continue! Ça veut dire qu'on part à Pau! Trop bien! Bon, bah, du coup, là, on va donc vraiment prendre l'avion puisqu'il n'y a vraiment pas de train. Donc là, on part à l'aéroport d'Orly. Il y a Taxi Julie qui nous emmène. Maréva qui est partie chercher sa déesse dans la maison parce qu'elle l'avait oublié. Et voilà, on s'en va, ça va être trop bien. On va prendre l'avion et tout, genre du beurre. Ça va être ouf. Bon, allez, c'est Parce que parti. même ma DS est Je vous emmène avec nous pendant ce week-end. La vache. Elle est pas. Bon, on est arrivé à Toulouse. Là, il y a Fanny qui travaille pour Forestier qui va venir nous chercher parce à l'aéroport parce qu'elle s'occupe de nous. Genre, on a besoin d'être occupés, tu sais, on est des bébés. Et donc, elle vient nous chercher à Toulouse et on file à Pau parce que, du coup, dans 3 heures, il y a la grande annonce de Forestier. Donc, faut qu'on trace. Voilà, voilà. C'est tchao. J'ai déglingué une porte. On est arrivé à Pau. Une mission accomplie. Là, on va récupérer le Airbnb. Du coup, avec Fanny qui gère la com chez Forestier. Donc voilà, donc Fanny, là, on va tout faire quand même. Grave, non mais elle est taxi, gestionnaire, elle fait la conversation, elle gère l'Airbnb. Enfin bon, du et coup, elle a le sourire. Genre là, il est 19h54 et à 20h, on est censé être dans la voiture. Enfin non, à 20h on était censé être à Pau, enfin okay. aux 5 étoiles. Mais du coup là, objectif 20h dans la voiture, faut qu'on se change, qu'on se mette en tenue verte parce que c'est le Green Gala. Déjà la porte de l'appartement est verte. C'est déjà, ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà un très bon point. Enfin bon, on vous reprend après. C'est parti. Ça a été le changement de tenue le plus rapide de la Terre. Ma rêve est là. Moi je suis là. On a été mais d'une efficacité incroyable. Tout droit au rond-point, il y a un rond-point dans 150 mètres. 120 mètres, 100 mètres. Tout droit au rond-point, t'as dit. Oui, tout droit. Je freine ou pas? Non. Non. Tu doux. Ah, ça doux. Ah, ça doux. Ah, vas-y. 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 Tout droit. Ce soir, je suis très fier et heureux de vous annoncer notre extraordinaire équipe de sailliers et d'ingénieurs ont concocté une nouvelle selle assez révolutionnaire que je vais vous présenter. Nous l'avons appelée la Green Tech.
Mesdames et messieurs, voici la Green Tech. Bon, on vous a pas dit tout à l'heure, mais quand on est arrivé, on était en retard. Et on a traversé tout le village exposant. La soirée fois-ci, elle est là. On s'est garé là. On a respecté, mais personne. On n'a rien respecté du tout. Voilà. Bon bah voilà, on est parti de la soirée forestier pour faire un gros dodo parce que demain il y a quand même le cross donc faut être en forme. La soirée c'était trop cool. Genre on a mis une ambiance sur les lacs du Connemara, c'était dingue. Moi j'ai fait mon petit blackout pendant 10 minutes, je n'étais plus sur cette terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, est-ce que vous me connaissez? Oui, vous me connaissez, devinez où on est. Au McDo. Au McDo, est-ce qu'on le voit? Non, il y a beaucoup trop de buée. Regardez, on est là. Moi oui, comme d'habitude. Le McDo et les loups, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ou qui perd. Une équipe qui grossit ensemble. Oui. Oui. Devenons grasses. Devenons grasses et heureuses. Soyons gras. C'est le jour numéro 2. Bon, là on a fait un giga dodo. On a tous très bien dormi. Il est 10h30. On n'est pas rentré trop tard de la soirée hier, mais du coup, enfin, vous avez vu, on est au McDo. On a papoté. Et on a grave parlé, genre, on s'est chacune posé dans notre lit, on a grave papoté toute la night. Enfin bon, voilà, donc là, aujourd'hui, ça va être jour de cross. Du coup, vous l'avez vu, il est 10h30. Le cross, il est à 14h. Ce matin, il y avait de l'attelage. Donc, on va en voir un petit bout, mais pour le coup, on a vraiment préféré dormir parce que ce soir, il y a encore une soirée qui est la soirée cavalier, qui n'est plus vraiment en lien avec Forestier pour le coup. Mais du coup, bah, ça va être encore une grosse soirée. Donc, fallait qu'on fasse un bon dodo ce soir, enfin hier soir. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vous remène avec nous pour la journée. C'est parti. Bon bah nous voilà, tipar. Du coup je vais vous montrer genre le couloir par lequel on est arrivé hier soir. Alors il faisait nuit, c'était ultra badant. Genre la dame du Airbnb nous a fait descendre par ici. Laisse tomber quoi, on est descendu par là. On se demandait pas si on allait dormir dans une cave genre. Hop là on ouvre une porte qui fait peur. Bon là jusque là ça va en fait hein. Mais quand la nana nous a fait descendre là et qu'après elle a dit on va par là. Par là. Là on s'est dit, problème. Fanny, monte l'escalier. J'ai peur. Bon, et là cet escalier ça allait. Mais alors celui d'après il faisait très peur. La lumière. Et là ma rêve. Ma rêve poubelle. Ma rêve poubelle. Et là c'est beau. Et on a des magasins tout autour de l'appart. Ah les chaussettes. J'aime bien les chaussettes. On n'est pas là pour faire du shopping les meufs. Ah non. J'adore les mocassins. Ah non mais merde. Je vais m'acheter. Oh moi j'aime trop les mocassins. Ah oui. Et nous voilà arrivés avec la fanoche. Ma rêve a sauté de la voiture pour aller nous récupérer nos bracelets d'entrée avec Forestier. Qu'on n'avait pas. Et voilà. Donc ma rêve est portée disparue dorénavant. Nous ne savons pas où elle est. Elle fait sa vie, nous faisons la nôtre. Non je rigole. Enfin bon bref, donc là il fait trop beau, c'est trop cool. Je suis en t-shirt quoi, c'était trop bien. Fin octobre, c'est un plaisir. On va aller marcher le cross, faire une reco du cross qui commence dans 2 heures à peu près. Et puis voilà, on va aller voir les petits obstacles et tout. Et puis après ça va être trop cool. On va avoir du beau cross. Ça va être le feu. Oh. J'ai tapé Fanny avec mon pied. Voilà. Je suis trop... Je me suis pas encore remis du week-end dernier à Angers hein. Toujours malade. Bon bah voilà, là du coup je suis en train de faire la reco du cross que je vais faire avec Soleil. Allez, ça va être dur hein. Mais bon je lui fais confiance, oh, ça va aller. C'est un bon parcours en tout cas. Bon du coup j'ai trouvé ma meilleure copine. Allez. Voilà, c'est ma pote. Vous êtes malaisante de ouf. On est les bouffons de nos services. Dans une des preuves de réglage plus maniabilité. C'est l'heure du repas. J'adore. On dirait le village dans Harry Potter quand il y a la coupe du monde de Quidditch. Je kiffe. Et moi je vais chercher à manger vegan. Les bananes
macarons. C'est tout nourriture. Les frites pour Léa. Ah oui, c'est la meilleure. Grave, c'est trop bon. Par contre, la tache de ketchup, genre là, on apprécie moyen, mais genre vraiment moyen. Mais par contre, ça, trop bon. Voilà, les grosses bouffes comme d'habitude, ça change pas. Mareva, elle a tapé sa meilleure chute. Bon, on va faire les petites courses. Les petites courses. Les petites courses. Les petites courses pour les petits apéros. Ma chaîne. Pour filmer une vidéo sur la chaîne de Mareva. Mareva, là, là, juste elle. Mareva, la menace. Mareva, game. Oh, il y a des oiseaux, il y a des perruches dans le intermarché. J'aime pas cette idée, moi. Ça, c'est toi bien, toi. Moi j'aime pas ce business par contre. Ça je cautionne pas, je cautionne pas les perruches. Mais quel magasin. Quel beau Intermarché. Bref, donc là on va faire nos meilleures courses. Vidéo sur la chaîne de Mareva bientôt. Soon. Avant ou après ce vlog, j'en sais rien, vous le saurez après ce vlog. Voilà. On va faire les courses. Bon bah du coup là on va partir à la soirée cavalier avec Maref qui est en train d'enfiler sa... qui a fait sa plus belle chanson. Et voilà, donc c'est reparti, une petite soirée et on ensuite dodo et ensuite demain CSO, demain train, demain retour maison, demain je vous montre soleil et c'est beaucoup. Super. Bon, voilà, allez hop, je me change moi aussi parce que ce petit t-shirt Upper Sport c'est mort et c'est un motif de rupture d'amitié. Eh bah rompons. Ou de partenariat, encore pire. Oh. Pire que l'amitié, le partenariat. Bref, allez hop, je change de tenue et c'est parti pour... C'est parti, force de partie. Et ben voilà, nous voilà arrivés pour le jour numéro 3 à Pau. Donc là, il est 11h30, on va faire un meet-up à midi sur le stand de chez Forestier. En même temps, on va également jeter l'attelage, enfin le cross de l'attelage, ça a l'air ouf. Donc... on va avoir un œil par là et un œil par là. Et,
Et puis après, il y a le CSE qui commence à 15h, il commence tard. Donc du coup, on va pouvoir se poser, manger une crêpe. Manger. Toujours manger de la nourriture. Et voilà, et après, il va être l'heure de prendre le train et de rentrer à la maison. Mais l'avantage, c'est que la semaine prochaine, on recommence. On part à Lyon. Oui. Moi, j'ai à manger et pas toi. Insupportable. C'est qui en fait? T'es jalouse. Voilà. Et la troisième, c'est comme ça. Eh ben écoutez, on a trouvé un pote qui est clairement venu vivre sa meilleure vie chez nous, genre. Il attend la recote du CSO avec nous. Oh, tu es trop beau. Tu rentres avec nous ce soir? Oh la mouche. Je cope des mouches, il moi. Il souffle, hein. Il pose sa tête sur son appart arrière. Oh, il est trop mimes. On est installé dans la loge. En vrai, j'ai pas de cheveux. J'ai pas de... Et on attend le CSO. Les gens, ils sont en train... Les gens, le bas peuple. Non, les cavaliers sont en train de faire la reco. Là. Et voilà, on va regarder ça. Hein. Et du coup, au niveau des cavaliers, il y a Mathieu Lemoine qui est 9e et Régis Prudon qui est 10e. Et il est... Ça va être un beau CSO, la carrière est belle, il y a du soleil, il fait bon, t-shirt, tout ça, on profite, c'est les derniers moments avant le printemps. Hein. Et voilà. Avant le printemps? Ah oui, les derniers moments de soleil avant le printemps là. Hein. Sois précise. On est fin novembre, hein. Après c'est la fin. Enfin bon, on va regarder ça, c'est parti. Le premier plat, là, c'est un Français avec lequel on commence. On peut lui ouvrir, monsieur le chef steward, la porte. Et à vous, public de peau, maintenant. CSO, c'est terminé. Enfin, on est parti un tout petit peu avant la fin parce qu'on a notre train dans pas trop longtemps. Il faut pas qu'on le rate, ce serait bête. Mais bon, voilà. Maintenant, on va aller prendre notre meilleur train. Dans 4 heures, on est à Paris. Retour sous la pluie. C'est trop triste. Mais la semaine prochaine, on part à Lyon. Voilà. Bon, allez. Je pense que je vais peut-être filmer des moments dans le train s'il y a des trucs drôles. Parce que bon, il peut toujours nous arriver des trucs drôles. Genre le train tombe en panne. Enfin, tu vois. On a l'habitude. Et sinon, bah, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!